Пинджами. I'm alright. Вероника Горняк. Полан. And on my left. Дуня Пелепаси. Миджелан. Вероника Горняк to short. Лаво. Слик. Nous voilà en Lettonie. Au stade des huitièmes de finale. Dunia Pelupesi affronte cette joueuse polonaise, Veronika Gorniak. Pour arriver à ce stade, elle a dû passer déjà un tour. Elle a fait un match de très bonne qualité. Et j'ai vu un petit peu aussi du match de Veronika Gorniak pour arriver à ce stade. Elle a joué contre une joueuse estonienne, Ramona Uprus, si mes souvenirs sont bons. Qui est une joueuse, elle a gagné en 3-7 assez serré. Contre une joueuse, Ramona Uprus, que Dunia a relativement récemment battu facilement. Mais ces deux joueuses ont un profil très différent. Uprus était une joueuse peut-être moins mobile, moins vive, mais peut-être avec plus de qualité technique, avec des feintes et des fixations qui ont beaucoup fait souffrir Gorniak. Mais je pense que si quand Uprus est prise un peu de vitesse, tout cet arsenal de coups disparaît, elle devient plus facile à gérer. Alors, ce sera intéressant de voir face à cette joueuse plutôt rapide, si ça va bien se passer pour Dunia ou moins bien que contre la dernière fois qu'elle a joué contre Ramona Uprus. Donner de l'ordre, voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, ça va à toute vitesse. Les deux joueuses mettent beaucoup de rythme. Et les rallyes sont assez brefs. Ce tournoi que fait Dunia là, est juste après toute une période d'entraînement au Danemark. On a pu voir un article sur le site de Sud Badminton à ce propos. Alors, difficile de se rendre compte s'il y a des choses qui provenant de cette séance. Je sais pas, une ou deux semaines, je crois, au Danemark, ont généré des changements fondamentaux dans son jeu, sa technique. C'est pas l'impression visuelle que ça donne, mais il y a une chose qui m'a frappé dans le match précédent. C'était l'intensité du premier pas après la reprise d'appui.
Là aussi, je trouve que ce match se joue sur un rythme supérieur à ce que ma mémoire me laissait me rappeler. 9. Proprement fait, c'est assez facile de faire des. De vouloir trop en faire ou pas assez en faire sur ce genre de volant, mais là c'était la bonne carburation. Tout petit peu en retard sur cet amorti rapide de Gorniak. Après, il n'a pas tenté non plus la défense la plus facile avec le petit coup croisé. Oups! Dans son premier match de l'année, elle n'avait pas de coach. Là, on dirait qu'elle a trouvé quelqu'un pour lui donner quelques conseils. Dans le match entre Gorniak et Ukrus, j'avais été frappé à quel point toutes les fixations et les feintes de Ukrus fonctionnaient extrêmement bien sur Gorniak. Alors le jeu de Dunia n'est pas moins basé là-dessus, donc on n'a pas eu tellement eu l'occasion de voir des choses de ce type. Ce qui fait cette avance assez conséquente, c'est plus grande qualité, un rythme imposé assez élevé. Un tout petit peu de déchet de la part de Gorniak. Là, on a eu l'occasion de voir une petite fin sur le rallye précédent. C'était dans une position qui est déjà assez désespérée. Oh, est-ce que ça a été ramené? Non. Ça paraissait au départ très loin en largeur, mais en fait, je crois que c'était juste un peu long finalement. Surprise par ce contre-plat. Peut-être possible uniquement à cause d'un problème de qualité sur le coup précédent. Ah, mal jugé. Cette fois, Gorniak trouve la ligne. Oh, là aussi on trouve la ligne. Sixty-seven.
Normal, parce qu'elle tente un coup difficile, et même si elle l'avait réussi, ça donnait le sentiment que Dunia aurait pu être dessus dans des bonnes conditions. Oui. Peut-être une petite légère hésitation là. Dunia peut-être se demandait si ce volant était long. Du coup, pris entre deux idées, ce revers a été complètement raté. Lift. Et bien jugé. C'est très solide. Hein. 19-7. Ah oui. Je la trouve vraiment très vite derrière le volant, la Gorniak, je pense qu'elle a pas un petit peu anticipé sur ce dégagement long ligne. Attaque bien placée, une défense compliquée à exécuter et qui n'a pas passé le filet. Là, cette fois, c'était largement out. Et là, 21-8 en 12 petites minutes. Très autoritaire, là, pour le coup. Évidemment, le seul point de référence que j'ai pour cette joueuse polonaise, c'est le match précédent. Mais c'est vrai que quand je trouve ce qui est tout à fait encourageant pour ce match et en particulier pour ce match présent, mais également aussi pour les matchs à venir, c'est que ce qui semblait être vraiment une force de Gorniak, c'était ça. La vitesse de jeu qu'elle arrivait à imposer, sa vitesse de déplacement. Et puis en fait, on voit là que contre Dunia, elle est dans ces domaines qui étaient ses forces face à Oprus, elle est tout à fait dominée. La Polonaise a donné 4 ou 5 points avec des fautes en longueur. Alors je sais pas, on sait pas du tout dans cette salle s'il y a si elle est particulièrement venteuse ou pas. Et donc si ce sera au tour de Dunia d'avoir des difficultés à trouver la bonne longueur. Par contre, on a pu voir là aussi que la fixation avait bien prise. C'était dedans, c'était vraisemblablement au point. Ah, dommage. Tout était très bien fait jusque-là. Two, one.
J'étais pas si loin en longueur que ça, mais c'était de toute façon faute latéralement. Oh, est-ce que ça reste? Ça reste. Bien construit là, de la part de la Polonaise. Elle a bien touché au filet. Je sais pas exactement s'il était vraiment dedans ce service. Oula. Bon. Alors l'avantage, c'est quand on se fait un très 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 mauvais service, des fois ça surprend l'adversaire, comme c'était le cas là. J'avais pas trop quoi faire comme retour. J'ai l'impression que ça restait, Dounia est moins convaincue. Ça semblait largement dehors, mais ça a été le jeu quand même. Ah, on fait quelques petites fautes là. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à surfer sur le momentum de la première manche. Je pense que si le début de la deuxième manche avait été aussi autant à notre avantage, ça aurait peut-être un peu plombé le moral de la joueuse polonaise, qui là à l'inverse a pu bien commencer cette deuxième manche. Et donc du coup, vraisemblablement, cette manche devrait être un peu plus serrée. On va voir si c'est peut-être un petit cette tendance est passagère, ou bien si elle va durer sur la longueur du set. Là de nouveau, ouais, les fautes ont un peu changé de côté, les bons coups aussi. Alors du coup, 4 en avance pour la joueuse polonaise. Ah, bien joué. Pas d'incertitude, il n'y a pas de... C'est joué dans le sens de la course, mais c'est suffisamment précis dans les deux sens pour que ça fasse point direct. Oui. Pas mal de gratter quelques points avant la pause. Bien défendu là, c'était difficile. Et là, la joueuse polonaise fait à peu près, attaque quand même souvent cette zone décroisée là, depuis le côté de l'attaque en coup droit, puis son côté revers.
pas de raison de se priver vu qu'elle le fait bien. Ah, c'est dommage, on a un peu relâché l'étreinte. Et du coup, là, l'adversaire a pu se mettre dans le match. Court meet alive 20 seconds. Court meet alive 20 seconds. Allez, un bon retour de la pause. Voilà. Tout petit élément de feinte, ça a suffi pour faire le retard et faire baisser énormément la qualité du coup de l'adversaire. Ah. Ouh, pou, pou, pou. Faute. J'étais attendu à un moment du rallye qu'elle fasse cette attaque décroisée, mais pour finir, elle a attaqué au corps, la polonaise. Oui. Oups, un petit peu chanceux, mais de nouveau là, l'avantage avait été pris par cette attaque des croisés. Elle arrive vraiment dans une zone très difficile, elle arrive mi-corte pratiquement sur la ligne. Alors, on serait bien inspiré de marquer une petite série de points, parce qu'on a gratté un petit point de retard, mais si on échange les services, on va avoir de moins en moins de marge de manœuvre. Oui. Un rallye un peu étrange. On a essayé de faire jouer l'adversaire en mettant de la vitesse. Oh, de nouveau. Ah ouais, je suis pas certain que Donia était extrêmement convaincu, mais l'arbitre a donné dehors. Un petit moment qu'on n'avait plus vu ce type de faute. Et du coup, un point d'écart seulement. Et on est revenu à niveau A. Ça, c'est quand même de bon augure là, parce qu'on était à 11-6 et on est à 13-13. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 7-2 depuis la pause. On pouvait difficilement espérer mieux. Ah, on est un petit peu aidé là.
un petit peu de chance avec cette attaque qui est sortie pour un cheveu sur le côté. Mais là, deux grosses fautes. Et trois grosses fautes. Mais fatalement, vu la physionomie de la première manche, quand on est l'outsider et qu'on avait de l'avance dans le set et qu'on se fait rattraper, c'est. Ça peut être gagné par la nervosité, une faute supplémentaire. Et là, ça sent sérieusement le sapin du coup, parce que. Ça fait 10-2 depuis la pause. Ah, juste à côté. Juste qu'il faut signaler que Dunia est tête de série. Ah, j'ai pas les choses ouvertes là sous les yeux, mais je crois qu'elle est tête de série 4 ou 5. Ah, 5 je crois, du tournoi. Ah oui. Mystifié là, la joueuse polonaise. Elle a même pas fait un geste en direction de ce ballon coupé. Ah, une attaque précise. On est dans une position des plus favorables, mais il n'y a quand même que 3 points. Ah oui. Oh, bien fait. Voilà, bien pris là, elle avait pas mal d'options en prenant, en arrivant très tôt sur ce ballon, en jouant très haut. On est content que l'adversaire ait oublié cette attaque des croisés qui a fait si mal. Finalement, là, mais du côté, le choix de l'attaque au corps n'était pas si mauvais. Ça a forcé une défense un peu acrobatique, flottante, mais bon, il n'a pas su profiter. Ah! Et voilà! Ouais, on s'est un peu fait peur avec ce. Peur, c'est un peu exagéré, mais le début de la deuxième manche n'était pas celui qu'on aurait pu espérer après avoir gagné si facilement la première. C'est un petit peu de relâchement de notre côté, peut-être une bonne réaction quand même aussi de la joueuse polonaise. Mais dès que ça s'est resserré, il y a rapidement plus trop de doutes sur le fait que ça allait être conclu en deux manches. Juste cette petite faute peut-être là qui a la ramené à 3 points ou peut-être à ouais, 2 points même. Mais ça s'est avéré finalement sans conséquence. Du travail de pro. Et du coup quart de finale un petit peu plus tard dans la journée. De retour en Lettonie.
cette fois pour un match de double messieurs, qui voit s'affronter deux paires qui contiennent d'un côté un joueur lausannois, Miłosz Borat, qui fait notre bonheur depuis plusieurs saisons et qui sera encore aligné la saison prochaine, et Jonathan Dolan, le joueur irlandais qui a joué une saison avec nous. On est au stade des quarts de finale en double messieurs. La paire polonaise de Miłosz associée à Slepeki. Oh, je ne me souviens plus, je crois que c'est Simon, enfin, ou l'équivalent polonais de Simon. Peut-être de Siméon, je ne me souviens plus. Un joueur que je ne connais pas du tout, gaucher. Pas plus que je ne connais ce McAllister avec qui Jonathan Dolan joue. Jonathan était aussi aligné en simple, il a joué il y a un peu moins d'une heure, où il a perdu un match serré contre un joueur asiatique. J'ai envie de dire vietnamien, mais en ayant le drapeau en tête, je me demande si c'était pas un joueur de Hong Kong. La paire polonaise, son tour précédent, l'a gagné contre une paire de vétérans locaux, de joueurs de plus de 40 ans. Donc ils l'ont gagné assez facilement malgré les bons restes présentés par l'opposition. Mais du coup, peut-être qu'ils sont pas... C'est un match un peu étrange pour rentrer dans un tournoi, car finalement c'est pas un match très représentatif du type de position qu'on va avoir plus tard. Donc on va voir s'ils réagissent bien. McAllister est droitier, mais sinon les formats des deux paires sont un peu similaires. Avec un joueur très grand et un joueur plus râblé. La caméra est un peu gigotée, mais ça c'est... je peux rien faire. Il faut aller jusqu'en Lettonie pour resserrer le... resserrer le trépied là. Long rallye. Les Irlandais ont beaucoup attaqué et pas réussi à vraiment créer de différence. On a eu l'occasion pourtant qu'il y avait quelques défenses un peu flottantes qui auraient pu s'avérer fatales, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, Borat toujours très dangereux en attaque.
avec son bras très lourd. Solver 7-0. Ah. Oh. La chance que ce bloc reste, j'allais dire le point du gaucher là. Slepecki qui avait jailli comme un diable de sa boîte. Rappeler à McAllister que c'était son coup droit de ce côté-là. Mais. Le volant de l'Irlandais est resté dans les limites. Over. 9-8. Ah oui, je vais laisser. J'ai l'impression là dès le retour de service. 9-0. Oh, ah, c'est donné devant. Dans quelques autres matchs, on a vu des séquences où les joueurs n'étaient pas forcément très satisfaits des juges de ligne. Dans un format où le juge de chaise s'occupe de la ligne près de lui, il y a deux juges de ligne qui s'occupent de la ligne de fond et d'une moitié de la ligne latérale, mais du coup ils sont mal placés pour les deux d'une certaine façon. Donc ils font de leur mieux. Dolan qui enjoint son partenaire à être proactif plutôt que réactif. Effectivement, à moins d'être. Il y a certaines paires japonaises ou coréennes qui ont montré qu'en double blessure, on pouvait aussi être extrêmement défensif, mais enfin, la règle. La règle générale, c'est quand même d'essayer le plus possible de prendre l'initiative. Ah oui. Et dès qu'il y a un coup médiocre, c'est la fin du rallye.
Ça reste dans les limites, bien pris là par Slepeki. Oh, pas malheureux McAllister avec cette défense cadrée. C'est celui en défense parfaite là. Une attaque là, de Dolan là, qui trouve le revers du gaucher là. Il s'immunise pratiquement à la défense croisée. Je génère aussi un petit peu d'incertitude entre les deux joueurs. Du coup la défense a été punie par McAllister. 13-14. C'était assez étonnant ce service de Dolan très extérieur. La variation n'a pas payé, même si pour finir il a eu le volant qu'il espérait avoir, mais il n'a pas réussi à killer. C'est long, oui, c'est long. 16-13. Un petit trou s'est créé pour la paire polonaise. Mais c'est... ça se joue vraiment point par point, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas un schéma de jeu ou des choses qui sont exploitées et répétées. Là. Donc du coup c'est assez haché. Bon petit bloc là de Borat. La technique là de Slepki est assez particulière, il y a toujours des grands gestes de tête au moment de ses frappes. Ça va être un truc à se faire des torticolis. Oh. Bien, bien défendu là par les Polonais. Et une attaque de Borat et ses points. Pourtant, une attaque. Bon, il attaque zone de divorce, mais ça arrive dans le coup droit du droitier là. Dolan avait effectivement un contre potentiel. Celui n'était pas. Slepeki n'était pas très avancé, donc il n'y avait pas d'espace derrière lui. C'est quand même assez étonnant que un smash de Borat suffise quand même. Ah. 20, 16.
Oh, oh! Ah, il a trébuché un peu sans qu'on comprenne pourquoi. Plus de peur que de mal, apparemment. Mais c'est pas comme si tout d'un coup il avait cru qu'il reculait dans son partenaire ou quelque chose du genre. Il a juste pris les pieds dans le tapis. Ah, de nouveau, Dolan a eu ce qu'il voulait avec le service extérieur, mais il n'a pas réussi à transformer ça en point. Et cette fois, c'est l'attaque de fond de corps de Slepky qui paye. Slepky. En plus, là, on a le nom en majuscule, donc si ça se trouve, il y a quelques marques diacritiques qui ont disparu et ça se prononce complètement différemment. Borat qui mène la conversation au départ de la pause là. C'est vraisemblablement le plus expérimenté des deux joueurs. Donc il a joué quand même un grand nombre de tournois dans des catégories plus hautes. Avec Adam Qualina. Je sais plus ce que c'était. J'ai plus en tête exactement ce que c'est le meilleur rang mondial là qu'il a atteint quand il était en paire avec Qualina, mais. C'était en tout cas top 50, c'est peut-être même top 30 ou top 20. Second game. One. Level. Play. One. Oui, le problème, alors la différence c'est que 4 points dans cette première manche, mais on a quand même le sentiment que les Polonais sont à la fois plus à même de convertir leur situation d'attaque et plus solide défensivement. Donc l'un dans l'autre. Ah, c'est un petit peu mal, Jonathan. On cherchait cet amorti. On n'a pas bien réalisé si c'était fait un faux mouvement glissant un peu ou si c'est simplement un peu tapé en plongeant. Un petit peu de marche à pied là, il décide de partir à l'attaque. Bonne vivacité là de Slepky. Ah oui. For love. Two
toujours un peu le risque là. Et Nolan est parti pour aller jouer un volant que pour finir son partenaire à intercepter. Du coup, il n'y avait plus personne pour le volant suivant. Une variation. Il me semble que ça a payé un peu plusieurs fois. C'est un amorti rapide qui tombe devant Dolan. Là, ça se passe mal là pour la paire irlandaise. Petit bobo plus des points qui s'enchaînent. Je dis petit bobo, mais on espère que c'est un petit bobo. Mais... il est toujours un peu boitillant. Oh, bien retourné. Feinte de push vers la droite pour finir en pole sur la gauche. Tourner. C'était un petit peu devenu nécessaire là. Ouais. Borat qui a priori a plus vocation à se retrouver en fond de court, à montrer qu'il était pas maladroit non plus. Et difficile à passer quand il était au filet. En retour. Ça va être compliqué là pour les Irlandais de sortir du trou. Bon, il faut une petite série là de 3 points, 4 points. On va remonter un peu dans cette manche. Voilà. Bien mené là par McAllister. Ah, faute au service. En anglais, il y a une fine distinction là entre un service fault et un service error. On ne sait jamais lequel est quoi. Enfin, il y a une catégorie qui est pour une exécution illégale du jeu du service. Donc, on sert trop haut, on met un pied sur la ligne, des choses de ce genre. Et l'autre, c'est que le volant l'a envoyé dans le filet ou hors des limites. Je ne sens pas vraiment qu'on fasse cette fine distinction en français. On dirait plutôt qu'on parlerait d'une faute de service pour dire qu'on a fait un problème de l'exécution technique. Et un service faute quand on l'a mis dehors. Ah, je ne sais pas, c'est bizarre. Ouh. Ça avait l'air de vouloir sortir ce ballon, mais... ah, défense acrobatique de Dolan, mais... Ça n'a pas ébloui les Polonais. McAllister est
Ces Pekis sont quand même vraiment très très vifs l'un et l'autre. C'est assez impressionnant. Boum. Là, quand même. Ça paraissait difficile à défendre. Oh! Bien servi. On n'avait pas tellement vu le service de ce type jusque-là. Du coup, ça a d'autant mieux fonctionné. Oh, très joli coup. Un coup de double mix là, c'est. Contrôler de revers en longue ligne. Petite pirouette pour Borat, mais ça paye pas. Et du coup, l'air de rien, les Irlandais sont de nouveau dans le coup. Oh, très joli ça aussi. Interception de revers. Ça a venu beaucoup plus vite que Borat croyait. Du coup, faute. Oh, bien défendu. Un bloc acrobatique là de Borat. C'est un point assez important parce que ça maintient un coussin confortable. Oh, bonne fin d'attaque. Service over. 10-13. D'autant plus que ça arrivait dans le revers du gaucher. Même s'il atteignait ce volant, il n'y avait pas grand chose qu'il pouvait proposer à part un bloc droit. Et du coup il y a deux points. Ah, McAllister, je sais pas s'il est pas content d'avoir raté la défense ou s'il a le sentiment que ça sortait, mais c'est vrai que c'était un petit peu bizarre cette attaque un peu avion là de Borat, mais qui a eu le mérite d'attaquer une fois en bas à gauche pour McAllister et une fois en haut à droite. Puis, du coup, là. Bien tourné. Il a sauté là-dessus comme un mort de faim, Dolan. Oh. Ah donc voilà, service fault. Voilà. Ça la terminologie. C'est clair que bon, finalement les joueurs qui sont bien adaptés, mais en passant de cette règle temporaire qui dure de la mire, les joueurs grands comme Dolan ou Borat
ont dû significativement adapter leurs gestes de service. Sinon leurs gestes, en tout cas leur posture. C'est pas surprenant que quelques fautes de service émaillent leur partie. Le petit bloc devant Borat qui paye. Les Polonais qui cette fois n'ont pas réussi à être aussi efficaces en attaque que précédemment. Et du coup, plus qu'un petit point d'avance. Quand même belle réaction là des Irlandais qui étaient quoi à 2-8 ou quelque chose comme ça. Bon push de Dolan. Je sais pas si ça arrive. Peut-être que ça arrivait justement dans l'épaule gauche du gaucher là. Ça a créé cet inconfort et cette faute. Ah. Défense héroïque de Dolan, Meven. Avec un rally qui commence sur des bons auspices. Enfin, ton choix de Sepeki. Les Polonais seraient bien inspirés de marquer un ou deux points sur leur service. Ça sentait vraiment le sapin, mais pourtant cette attaque à bout portant trouve une raquette, une défense et ça génère la confusion. Belle défense là, c'est Peki. Oh, il a tenté une petite feinte qui a pas pris. Oh, c'est donné dedans. Ça aurait pu être donné dehors. On a vu cette séquence là avec cette attaque croisée de Dolan qui arrive dans le revers de c'est Peki. Il a dû plonger pour faire ce bloc droit, mais malgré la duresse, il avait de la bonne qualité dans son bloc. Toujours qu'un point d'écart là. Ouh.
Un classique retour de double, mais poussé un peu trop loin. Et du coup, 17 partout. Bien servi, bien retourné. La taille de ce petit qui flirte avec la ligne. On bloque. Oh, mais d'entente! Ah, mais. Ouais, alors là. Pas mal chanceux, parce que je suis pas convaincu que. Je suis pas convaincu que. Que le volant peut arriver jusqu'au sol. Sans l'ombre d'un jet des Polonais. Je ne suis pas convaincu que ça puisse arriver parce qu'ils avaient bien jugé la trajectoire, mais plutôt parce qu'ils étaient mal organisés. Ça semble sortir. Ah, c'était tout était bien fait là de Dolan. Tout jusqu'à la conclusion où peut-être il était légèrement. Retrouvé gêné par son partenaire. Largement out là. Et c'était élégamment fait là. Cette construction avec cette attaque très croisée, défense longue ligne, attaque très croisée de l'autre côté, c'était plutôt joli, mais ça trouve pas la cible. Oh, bien sauvé par Dolan. Oh, les Irlandais résistent. Un petit attaque, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire? Oh! Oh, quel joli rallye! Quel joli rallye! Alors, il y a eu un peu de tout là. Les défenses miraculeuses de part et d'autre, mais on retiendra quand même particulièrement là. Cette défense de revers croisée là par Borat qui a transformé vraiment d'un coup toute la physionomie du rallye, passant du désespoir à l'attaque. Et du coup, deux volants de match par la paire polonaise. Et le service n'importe pas le filet. Là, si Slepeki met son retour dans le filet, ça va aussi être un peu la galère. Et ben voilà. Je suis pas certain que le service restait dans les limites d'ailleurs. Mais aux grandes dames des Polonais. Zéro rallye, deux points perdus. Oh. Ah oui, bien patrouillé là. Bien patrouillé par Borat. Pourtant, les Irlandais avaient fait quelques bonnes défenses. 21-20. Du coup, une troisième occasion de conclure. À Slepeki de servir. J'annonce que si il fait faute au service aussi, c'est les Irlandais qui gagnent le set. Ah,
Il opte pour le flick. Pour s'assurer d'un rallye. Et malheureusement pour les Irlandais, McAllister fait la faute. Faute directe pour le coup. Donc voilà, podium. Podium pour la paire polonaise. Et le Lausannois, Miłosz Borat. On va voir. Du coup, je pense qu'ils jouent pas aujourd'hui, ils jouent demain leur match suivant. Il me semble que c'est demi-finale, finale demain. Donc on va revenir un peu plus tard, juste pour le match suivant de Dunia. Et nous voilà de retour pour ce quart de finale de Dunia Pelupesi, où elle affronte l'Ukrainienne Anna Kovalenko. Avant tout, une petite précision. J'ai dit des bêtises pendant le match de double homme. Le match de double homme qu'on a vu précédemment, c'était bel et bien un huitième de finale. Qui sera suivi par un quart de finale qui aura lieu dans à peu près une heure. Donc avec un peu de chance, juste après le match qu'on regarde maintenant. Donc la paire polonaise avec Miłosz Borat n'est pas encore médaillée, elle a encore un petit peu de travail. Elle devra encore se défaire d'une autre paire d'adversaires. On se concentre sur le match de simple dame. En tant que tête de série numéro 5, on pourrait s'attendre à ce que Dunia, au niveau des quarts de finale, affronte une joueuse qui est tête de série 1 à 4, mais ce n'est pas le cas. Pas que la tête de série a été battue dans sa partie de tableau, mais la tête de série a pas s'est retirée. Et du coup, c'est une joueuse issue des qualifications qui a été repêchée. Et donc, alors je suis plus certain à 100%. On peut peut-être vite gagner ça. Je suis plus certain de qui est arrivé jusqu'ici. Ah bah c'est justement cette Anna Kovalenko qui a été promue du tableau de qualification et qui a battu une joueuse lituanienne en 3-7, puis une joueuse de Lettonie en 2-7 au tour précédent. Mais du coup, Dunia est à nouveau favorite, même dans ce quart de finale. On va voir si elle fait honneur à ce statut. J'ai vu un tout petit peu du match. J'ai vu un tout petit peu du match précédent de son adversaire, mais pas assez pour se faire véritablement une opinion. Bien défendu puis bien attaqué, mais malheureusement il manquait la conclusion. Bien laissé. Donc voilà, la perspective est vraiment trompeuse, on avait l'impression que c'était loin loin dehors. Ce n'était pas si loin dehors que ça. Ah!
joué. C'est marrant comme à part la défense bloquée, la plupart des coups de Dounia sont ou des push ou des dégagements. Enfin, on essaie de maintenir l'adversaire loin du filet. Faute. Touché. Cette attaque était dedans clairement. Oh, dommage. Il est quand même bien en jambes la joueuse suisse là, parce que sur quelques défenses croisées assez appuyées de Kovalenko, mais ça n'a pas troublé Dounia plus que ça. Ça fait un drôle de bruit. Ah, apparemment, effectivement, le cordage a lâché. Trop agressif. Alors même que le ballon était pris très très bas. Bien sauvé de part et d'autre, mais c'est Kovalenko qui a le dernier mot. Service over. 6-4. On va toucher au filet à nouveau. Oh. Ah oui, bien joué. Oh là, il y a un moment on a pensé que la joueuse ukrainienne serait en grande difficulté, mais elle a quand même réussi à attaquer le dégagement tendu vers le coin revers. Il a fallu continuer, mais là Dounia a quand même répondu présente. Pour toutes les attaques et les défenses difficiles là. Ouais. Ouh, dommage. C'est toujours le danger avec ces attaques croisées depuis des positions extrêmement excentrées. Si l'adversaire touche le ballon, on est en difficulté. Faute en retour. Six,
Ah oui. Service over. J'allais dire qu'on n'a pas. Qu'on a gagné des points en attaquant, mais qu'il a. Ça a été toujours été au. Après de longs rallyes, parce que là, on réussit finalement à trouver une attaque gagnante très rapidement. Oups. Ouh. Pas malheureuse. C'était pas faute d'avoir essayé de prendre ce volant. Sur ses retours de service là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on a l'impression que Kovalenko privilégie cette zone coup droit à mi-corte. Si elle ne varie pas plus, ce serait bien qu'on anticipe un peu dessus. Ah dommage. Ça fait un petit peu l'accordéon, là on prend toujours 2-3 points d'avance et puis ensuite l'Ukrainienne recolle. Ah oui. Bonne feinte là de l'Ukrainienne. Du coup, au fil, il n'a même pas eu besoin d'être extrêmement précis. L'effet de surprise a suffi. Et voilà, 9 partout. Petite faute, j'ai pas fait le compte, mais. On doit être à quelque chose comme 4-2 aux fautes directes, quelque chose comme ça. Défendu. Ah dommage, 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 dommage. Ah c'était pas mal parce que. On a le sentiment que là. L'adversaire avait anticipé de l'autre côté. Ah oui, on est retourné. Du coup, on mène 11-10, mais la plus petite démarche. Dans le match précédent, Lunia avait trouvé quelqu'un pour lui faire un peu de coaching. C'est pas le cas sur ce match-ci. Voilà, ces coups croisés au filet ont payé. Ah. Service over.
Mais juste la bonne longueur. Croiser ça. Et de nouveau égalité. Oh. Oui, bien joué. Ouais, près des lignes des deux côtés. Là, le service semblait aussi très out au départ, mais finalement, je crois que Dunia a eu tout à fait raison de le jouer. On n'arrive pas à décrocher, voire même là. Pour la première fois, on est derrière. Quoique peut-être au tout début du set, peut-être que c'est l'Ukrainienne qui avait gagné le premier point, non? Jusqu'ici. Du coup, c'est l'Ukrainienne qui trouve un petit peu de marge. Bien joué. Service over. 14-15. Ah oui. Mystifié par ce coup. Ah dommage. Ah, on a le sentiment que si ça passait le filet, c'était point. Serré, ça va se jouer, il n'y a pas grand chose cette première manche. Ah, une petite faute qu'on prend volontiers. C'est marrant, on a le sentiment que depuis cette position là, on joue au-dessus du filet. Mi-corte. Que ça doit être possible de trouver une trajectoire descendante plutôt que ces coupes-là. Bon, pour l'instant, ça a fonctionné. Ah, il manque une dizaine de centimètres pour pouvoir jouer de volant. 17-16. Un petit faux mouvement là dans la défense peut-être, je sais pas. Allez, 17 partout. La première à 4. Ah, ça fait plaisir. À 17 partout, un point gagnant en deux coups de raquette. Cette attaque bien placée. J'ai le sentiment que le service était de très bonne qualité aussi.
Bon, ça va être... Service over. Comme dit précédemment, on ne sait pas du tout s'il y a des... 18. Il y a des courants d'air dans la salle, donc... parce que... potentiellement, il y a un léger courant d'air qui a ramené ça va dans le terrain. Ah, petite faute qui fait plaisir à 18-18. Allez. 19-18. Le coach ukrainien très bavard là. Toujours difficile quand on est coach. À ce moment-là, est-ce qu'il faut parler ou pas parler? Est-ce que donner des informations supplémentaires à ce moment, ça va aider ou au contraire déconcentrer? Allez, deux ballons de 7. Oh! Ah! Oh, on a l'impression qu'elle a. Que Dunia n'y a pas cru. On pensait peut-être que Valon allait sortir. Ou... Il semblait pas très appuyé, donc peut-être qu'il y avait quand même moyen d'aller le jouer, mais. Peut-être qu'elle était plus proche du filet que ce qu'il nous semblait. Encore un. Allez. Ah, bien joué. Pas mal ça. On va jouer dans le replacement. Ça a payé. Ah, bien joué, bien joué. C'était pas évident parce que ça restait vraiment serré tout du long. On a même été un petit peu derrière de 2 points là, aux 3/4 du set. J'ai le sentiment quand même qu'elle parvient moins à mettre de la vitesse et dans son jeu et dans ses déplacements par rapport aux deux matchs précédents qu'on a vus. Alors est-ce que c'est une impression visuelle ou est-ce que simplement le fait que le score est plus serré, on est un peu plus crispé, du coup c'est plus difficile de trouver cette explosivité, cette intensité. On va voir s'il gagne cette première manche, va nous libérer un peu. Le coach ukrainien qui essaie de placer le plus d'informations possible lors de la pause entre les deux sets. Pas forcément la meilleure idée. C'était vraiment un flot continu de paroles. On accélérait pendant toute la pause là. Il a récité l'intégralité des Rougon Macquart. Ouh, juste à côté. Important là de prendre un bon départ là dans le match précédent. Après le gain facile la première manche, il y a eu un petit relâchement. Si on fait la même chose contre cet adversaire, ça sera peut-être compliqué
de réaccrocher le set. Accrocher la bande, ce ballon en passant là. Bonne défense là de Kovalenko. Regarde son coach, peut-être qu'elle est un petit peu hésitée, savoir si c'était trop long ou pas. Très grosse faute, pas habitué à ça. C'est bien d'avoir pu recoller tout de suite. C'est pas si long ce service finalement. Si on regarde où sont les pieds de Kovalenko là, il avait les pieds avant la ligne de service de double. Service over. 4, 3. Ah, dommage. Contrôler ce revers croisé. Ouais. Effectivement, c'était très court là, de la part de l'Ukrainienne. De part et d'autre, on n'arrive pas à marquer des séries de points, donc finalement les écarts restent toujours limités à... Je ne sais pas ce que c'est la plus grande avance qu'on a vue, peut-être 2 points, non, ou 3 points à tout casser, oui, il y a eu 4-1 là au début, non, ouais, je... J'ai cru que l'arbitre de chaise avait déjugé sa juge de ligne, mais en fait non, je pense qu'elle a estimé que Kovalenko avait touché ce ballon. Oui. Bien reposé là. Une situation où elle est plutôt habituée à pousser long de ligne. Donc voilà, 6 partout. Ah. Troisième grosse faute sur cet endroit même. Encore qu'il y a un puits gravitationnel là-bas. On est devant pour la première fois dans cette manche. Ouais.
On était un petit peu trop flottant là, l'Ukrainien a pu jouer haut. C'est compliqué. Une fois de plus, là on n'a pas réussi à marquer plus de 3 points d'affilée. Oh, super défense. Dire qu'une des choses qui fait que c'est difficile de marquer des séries de points, c'est que les deux joueuses retournent plutôt pas mal, ou alors ne servent pas très bien à choix. Donc y a pas, c'est pas facile de prendre l'initiative derrière son service. Encore, peut-être qu'il manque peut-être 20-30 cm de longueur à ce service. Et du coup, on est pas mal sous pression dès le retour. Ah! Du coup, la petite faute en retour est de notre côté. Ça va aller dehors peut-être. Ah! Une petite faute de suite. Come on. Oui, l'attaque était précise là. Service over. C'est partout. Quoi qu'il arrive, la pause sera comme à la première manche à 11-10. Espérons que ça soit pour nous à nouveau. Ouais, il m'a semblé que c'était un tout petit peu mieux servi. Si on regarde la position des pieds de Kovalenko, là, elle était un petit peu plus loin. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? C'est peut-être un peu exagéré de le penser, mais... Ça ne veut pas faire de mal en tout cas. Bon oui, enfin, une manche qui a un peu la même physionomie, à part que dans la première c'était toujours Dunia qui avait un ou deux points d'avance et puis Kovalenko qui revenait et Dunia qui regrettait quelques points. Là c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, mais... C'est quand même Dunia qui a réussi à être devant à 11. Un petit service de test où on voit effectivement où arrive ce ballon. Alors que c'est tant qu'on est au-delà de la ligne de service de 12, on est content. Là, il y avait encore un petit peu de place pour faire mieux. Lift. Oh, bonne précision dans cette attaque. Bonne précision dans cette attaque. Oh, j'ai pas fait le compte, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup changé de volant jusqu'à maintenant. Ah, peut-être là on peut remercier le nouveau volant, plus rapide que dans le précédent.
Ouah, bien touché là, de Kovalenko. Service over. 11-13. Dommage, là on aurait pu voir pour la première fois une avance de 4 points. Présente le ballon, mais elle fait une petite 14, faute. Ça, on trouve, on gagne des fautes aussi un peu avec ces variations de zone, ces variations de trajectoire. Oh, retour de Kovalenko d'être précise avec son attaque. Décidément, c'est mission impossible de prendre de l'avance. Oh! Alors j'avais jugé comme l'Ukrainienne là. Surpris de voir ce ballon tomber même avant la ligne. Un bon lift de Kovalenko. Ah, on descend un peu. Mais ça porte pas. Séquence. Ah, petite faute. Ah, c'est pas mal là, c'est pas mal là. Ça prend une bonne tournure, ces 4 points d'avance. Alors qu'on est aux 3 quarts de la manche. C'est le risque du coup de Kovalenko, c'est que c'est bien joli de croiser un coup droit au filet, mais ça met pas l'adversaire en difficulté. Il y a un boulevard pour pousser tout droit qui arrive dans le revers. Ce qui a bien exploité Dounia. Oh! Ça semble bien servi pourtant, mais peut-être que. C'était trop à se demander si ça allait sortir en largeur pour être prête au moment où le retour est venu. Ah, c'était bien fait là à nouveau. On revient. Et ce coup au croisé qui déporte Kovalenko ensuite en attaque dans le remplacement. Toujours 5 points d'avance, à 3 points du but. Ah, dommage. L'intention est bonne, mais un couloir de quelques centimètres. Allez. Ah oui. Bien placé cette attaque de Kovalenko. On gratte un petit point de plus. Encore 3 points d'avance, mais on serait bien inspiré de gagner ce point. Oh, pas mal chanceuse. Ah.
bien résisté quand même après un point qui a pris une tournure rocambolesque dès le départ là avec cette défense qui a accroché la bande. Par contre, c'est beaucoup d'efforts mentaux et physiques qui ont été investis dans ce point qui finalement a été perdu. Toujours 2 points d'avance, mais il y a matière à se tendre un peu. Ah, voilà, ça fait plaisir. Bon retour. Précis là, le long de ligne. Bien joué. Ça a commencé par un mauvais retour de Kovalenko qui a attaqué mais dans une zone sans difficulté. Donc immédiatement, la vitesse qu'elle a mise s'est retournée contre elle. 4 ballons de match. Oh, bien contré de Kovalenko. Il avait pourtant bien mené ce rallye de Bounia, mais on a cherché là le coin coup droit avec une trajectoire trop tendue. Et du coup, c'était intercepté. Allez. Grosse faute. Et victoire de Dounia. Un match accroché, un match difficile. Mais elle a su répondre présent là dans les moments serrés. Match won by the Kovalenko n'a pas grand chose à se reprocher. Quelques petites fautes à des moments inopportuns peut-être, mais. Après, il a montré quand même une position de grande qualité. Il a bien défendu, surtout. Je trouve que c'était difficile de marquer les points. Mais au final, Dounia l'emporte et la voilà qualifiée pour les demi-finales. On va gagner le tableau là. Donc là, elle va jouer. Le prochain match, ça sera ou contre la tête de série numéro 1, la polonaise Victoria Dabzinska, ou la française, la tête de série numéro 6, Anna Tatranova. Est-ce qu'elles sont en train de jouer actuellement? Non, pas encore. Pour le coup, il y a toujours un peu dans ces tournois un peu une loterie du tableau. Qui est qu'il y a toujours des qualifiés un peu sous-classés qui traînent. Souvent des joueuses et des joueurs qui viennent d'Asie. Et là, il se trouve qu'il y a une joueuse de Singapour. Ouais, tous les le type de joueuses qui tombent dans ces catégories sont dans l'autre moitié de tableau. Effectivement, il y a une joueuse de Singapour, une joueuse vietnamienne, une qualifiée de Taïwan et une joueuse tchèque qui s'est glissée là-dedans en battant la tête de série 4. Donc c'est toujours effectivement, c'est un petit peu la loterie. Des fois, on peut être en forme et tomber au premier tour contre une qualifiée asiatique en forme.
et donc du coup est en forme et surtout sous-classé. Mais là le niveau de jeu et le tableau semblent bien se goupiller. Donc on verra ce que ça va donner demain matin en demi-finale. Contre la tête de série numéro 1 ou contre la tête de série numéro 6. Et on se retrouve tout soudain pour le quart de finale du double messieurs. En fait, parce que tout soudain, c'est même immédiatement. Non, je pense que ça sera dans un petit moment. Nous voilà à nouveau en Lettonie pour ces internationaux. Yonex Latvia International, je crois que c'est le nom du tournoi exact. Même si ces catégories de tournois européens sont toujours des noms un peu qui génèrent la confusion. Vu qu'il y a trois catégories qui sont International Challenge, International Series et Future Series, un truc comme ça. Et ce tournoi, alors même qu'il s'appelle International, fait partie de la seule catégorie qui n'a pas International dans son nom. C'est un Future Series. Que dire sinon? Nous voilà donc au stade des demi-finales. Dounia qui est tête de série 5. Hop, je cherche le tableau. Tête de série 5 affronte donc Anna Tranova, une joueuse française, tête de série 6, qui a bénéficié de l'abandon de la tête de série numéro 1 lors de son quart de finale. Il y a deux choses qui nous rend un petit peu optimistes sur ce... ou trois en fait. Alors la première chose, c'est que Dounia est un petit peu mieux classée que son adversaire. La deuxième, c'est qu'elle a relativement récemment joué contre son adversaire et gagné. Et la troisième chose, c'est qu'Anna Tranova est également engagée dans le mixte. Elle a joué un petit peu plus tôt aujourd'hui, dans un match accroché qu'elle a fini par perdre. Donc peut-être qu'il y a quand même un certain nombre de forces qui ont été laissées sur le tapis. Par contre, je n'ai pas vu, j'ai vu que des petits passages du match de Tranova contre Dabzinska, qui est la joueuse polonaise au tour précédent. Mais pas assez pour me faire vraiment une opinion. Ça sort. Solo saut. 3-1. Solo saut. C'est grosse faute. On s'attendait à voir aussi hier un match, le quart de finale de Mios Borat. Mais. En fait, ils ont gagné par forfait. Donc, on le retrouvera tout à l'heure en demi-finale. Bien joué. C'est le match suivant sur ce même court, donc ça nous arrange bien. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais couper l'enregistrement ou bien. Trouver quelque chose à faire pendant les 5 ou 6 minutes de battement qu'il va y avoir entre les deux matchs. On verra bien. Ah oui, il a tourné. 5-3.
Étonnant, je pense qu'il a été surprise ou a mal jugé la trajectoire ou ce qui s'est passé, mais il a semblé un peu regarder devant le passé. Étrange début de match, il y a pas mal, quand même pas mal de fautes de part et d'autre. C'est pas forcément facile de rentrer dans une demi-finale. On se fout. La longueur semble bonne, mais quand même assez loin dans le couloir. Autour de Tatranova, faire une grosse faute. Voilà, c'est les deux joueurs alternent le bon et le moins bon là dans ce début de match. Oups. C'est pas facile à contrôler cette attaque longue ligne quand on tombe un peu sur la gauche, souvent on entraîne le ballon avec. Ah oui. Un peu de qualité d'Australie. C'est bien l'intention là de Tatranova était bonne, mais un, elle rate son coup, et deux, il semblait que Dunia aurait été dessus s'il passait. À côté, est-ce que ça va être le juge de ligne? Done out, mais avec un geste plutôt hésitant, ça semblait bien dehors. Ah, ouais. Faute au filet. Apparemment, on est dans une configuration un peu étrange avec trois juges de ligne. Ah non, 4 juges de ligne. Donc, une configuration pas étrange. Après, on voit un peu ces coups croisés là qui payent pour Tatranova. Il bloque comme dans le filet. Et c'est... Aucune des deux joueuses n'a parvenu à vraiment se libérer. Bien touché de Tatranova. Voilà, elle a amorti longue ligne là. Ça aurait été gagnant contre beaucoup de monde, mais il y a quand même réussi à le remettre. Hein. C'est plutôt bien. Ah non. Contré là. Ça aurait pu surprendre Tatranova s'il avait anticipé dans une direction, mais elle n'avait pas bougé, donc du coup, elle a eu qu'à lever sa raquette pour contrer dans
Un terrain ouvert. On est dans un match qui a pour l'instant un peu une configuration similaire à celle du quart de finale. Alors on espère que ça aura le même résultat ou dans les fins de set, c'est Dunia qui s'était montrée la plus solide. Oui, il a essayé. C'était difficile là, cet amorti long de ligne là. Pris un plus trade à gauche de la tête. Elle l'a bien touché. Calmement fait. Bien joué. Après, effectivement, il y a quand on a des volants de conclusion très faciles, c'est aussi très facile de trop faire ou pas assez faire. Et là, c'était calmement et proprement. On rallie là. Ouh, bien défendu. Ah, ça se termine par une faute, c'est dommage. Ah, les deux joueurs ont très bien joué. Au début du rallye là, Tatranova a essayé d'imposer une cadence très forte, mais Dunia a tout à fait bien résisté. C'est Dunia qui a plusieurs reprises à trouver des angles et des variations difficiles, mais Tatranova a répondu présente. Douze partout. C'est vraiment très indécis. C'est un ballon qui a bien plongé après le filet, là, pourtant qui avait été pris dans des conditions un peu acrobatiques. C'est pas mal là aussi le coup que tente Tatranova, mais un peu comme précédemment, non seulement c'est dehors, mais en plus il semblait que ça n'avait pas surpris Dunia qui aurait pu être dessus dans des bonnes conditions. Oh, là, à nouveau, elle prend le volant. Oui, parfait. Elle prend le volant vraiment très à gauche de la tête, en retard, elle tombe, et puis pourtant elle trouve une amortie très précise, la joueuse française. Ça n'a pas suffi malgré tout. 14-30. Bien, là, 2-3 points de suite, ça serait pas mal à ce moment du set. Faute là. Par contre, il faut que. Il y a un truc pas mal, c'est qu'elle varie pas énormément. Tatranova, elle croise énormément au filet. Donc à partir du moment où elle fait que ça, c'est. Ça perd quand même du danger. Ah! Ah, service out. Dommage. Ça permet à la française d'être plus qu'à un point. À nouveau là,
C'était précis, la mortie tape un balle, le coup de Denis semblait dans le couloir pourtant, mais. Encore. Oh, petit cadre, mais. Ah, parfaitement bien attaqué. Sarasol. 16-14. Petrina m'a fait mentir par contre, elle a. Elle a bloqué droit. Servi. Parfait. Pas tant de marge, mais sur la construction, c'était tout à fait juste. Donc, le service et le dégagement étaient de très bonne qualité. Voilà, on regarde là les pieds, les deux pieds. Ah, on a bougé. Mais la Française, on va retourner là les deux pieds dans le, au-delà de la ligne de service de double. Donc là. Ça, très bonne qualité de service. Ah, idem là pour Dunia. Ah, dommage. Petite faute inopportune. Allez, 16-17. Ah, c'est long malheureusement. 17-all. 17 partout. Oui, une fois de plus, ça va se jouer à pas grand chose. Ah, c'était pourtant bien retourné, mais Tatrana va se montrer à la hauteur. Ensuite, à nouveau là. Depuis ce coin revers, on essaie d'accélérer, mais dans une trajectoire interceptable par Tatranova. Parfaitement fait là. Ouais, c'était bien joué là, cette attaque au corps. Après, bien touché au filet et bien conclu sur le lift un peu court. Allez. Ah oui, bien ramené ça. C'était pourtant bien retourné de la part de la Française. Un petit coup de patte là. Pour croiser au filet. Allez. Oh, ça reste. Ah, c'est un petit peu. C'est un petit peu frustrant ça pour Ali parce que la Française fait pas grand chose. Elle décide de pilonner le revers et d'attendre une opportunité. Elle en a une pour croiser, elle fait le point. Aïe, dommage. Là aussi bien retourné. Tatranova touche bien ce ballon. Ok. Sarasol. 20-all.
Il a bloqué, pourtant l'attaque au corps était pas mal. Bien joué là, la française. Il y a une petite composante de feinte, on a cru qu'elle n'avait pas contrôlé, mais non, ça a fini dans le coin du terrain. 21-20. Il a bien résisté pourtant notre allié avec plusieurs bonnes attaques. Allez. Oui. Petite faute malheureusement, on peut perdre cette manche, 22-20. Pas de quoi désespérer pour autant. Ça a été très serré, ça aurait pu tout à fait tomber dans l'autre sens. C'est aussi que la première manche que Nounia perd dans ce tournoi. Là, si ça devait aller en 3-7, je pense que la Suisse serait quand même avantagée du fait qu'elle a quand même beaucoup moins eu de dépenses énergétiques au fil de cette semaine que son adversaire. Au chapitre des choses plus... négatif, c'est que finalement, voilà, ça est resté serré tout du long. Il y a eu un peu des points, des fautes, mais du coup, on n'a pas vraiment. C'est difficile de trouver un plan de jeu cohérent qui pourrait nous donner une trajectoire vers la claire, vers la victoire. On n'a pas trouvé de choses qui mettent véritablement en grande difficulté Tatranova. Court Kiev 20 seconds. Court Kiev 20 seconds. C'est difficile de savoir du coup. Ce qui est embêtant quand ça s'est fait comme ça, c'est que on peut essayer de faire des ajustements, mais on sait que si on n'ajuste rien, ça sera serré. Donc, est-ce qu'il faut essayer de mettre plus de rythme, au contraire d'être plus conservateur dans son jeu pour que ça devienne un combat physique. Bien bloqué là. En longue ligne. Par contre, il y a le point d'interrogation toujours. Et comment les deux protagonistes vont réagir à ce qui s'est passé dans ce premier set. Est-ce que tout d'un coup, la joueuse française va devoir pousser des ailes? Faute. 2-1. Parfait. Là, on aime bien le début de manche. 3-1. Tout le momentum que l'adversaire aurait pu avoir là semble déjà un peu étouffé avec deux fautes directes et un rallye perdu nettement. Mm-hmm.
2-3. Oh, c'est resté? Apparemment, c'est resté. C'est étonnant, ça. Ah oui, mais... Sir, so. Ouais, 4-3. J'ai l'impression que la trajectoire vers la victoire, ça va être de serrer les dents. Oh! Ah, c'est dommage. J'essayais d'être très avare en faute directe. Forcer Tatranova à marquer ses points. Ah oui, joli drive là. Bien glissé, ce coup croisé. Dommage, une fois de plus, on n'a pas réussi à décrocher l'adversaire. Partout. 6-all. Bien retourné. 7-6. Oh, on a l'impression que Tatranova est un peu... Ça frustre un peu chaque fois qu'elle fait une faute, donc on a le sentiment que si on arrivait à prendre un peu d'avance, cette frustration pourrait être encore magnifiée. Bien joué. Les deux prochains rallyes, est-ce qu'on va réussir à les empocher aussi et faire un trou? Ah, c'était difficile à savoir. Ah oui. Je pense qu'il fallait jouer. Ça, je pense quand même que ça avait l'air d'être dedans, même si de toutes les personnes, on est la moins bien qualifiée pour juger si les volants sont dedans ou dehors avec la caméra. Oh, parfait. C'est le saut. 9-6.
7. Ah, un ace, je crois bien. Ah, c'est dedans, hein. Ouais, c'est un peu chanceux parce que ça prend, ça effleure la bande du filet et ça tombe sur le T. Ah, dommage. On n'arrive pas, hein. 3, c'est vraiment le maximum d'avance que les joueurs arrivent à prendre. Trajectoire d'attaque là. Est-ce que ce dégagement agressif de Dunia était vraiment si court que ça? 9, 10. Là, ça donnait pas l'impression. Et à nouveau, la française revient à un point. Bien. Le lift pourtant au départ de Tatranova semblait plutôt bon, mais là on a vu Dunia était assez largement devant la ligne de service du double au moment d'attaquer. Et du coup, entre cette position et sa taille, ça devient difficile de défendre les attaques. 11-9. Des problèmes de chaussures apparemment. Coach, to leave court. Dommage, c'était pas mal. Malheureusement, ça finit dans le couloir. Et une fois de plus, on n'arrive pas à creuser le trou. 10, 11. Bande contre bande. Et on se partout. Parfait. C'est... Le service semblait... un petit peu court, très extérieur, et donc du coup ça ouvre quand même des angles qui ont été bien exploités là par Dunia. Ouais, bien jugé. On a retrouvé ses deux points d'avance.
On n'est pas passé loin de remettre cette attaque encore là où l'attaque à gauche là était carrément sur la ligne. On a réussi à la remettre, celle de droite. Idem, mais on n'est pas passé loin de réussir à la remettre aussi. Ah, et voilà. Petite faute, son retour. Et 13 partout. Ça fait vraiment l'accordéon. Ça ressemble vraiment beaucoup au match. Au match du tour précédent, la différence tout à fait notable que le premier set a été perdu cette fois. Après, c'est toujours embêtant de faire des photos de service, mais là au moins ça avait le mérite d'être une faute en essayant un autre type de service. On recherche un peu de solutions, tester un peu des choses qu'on n'a pas encore testées pour voir si on trouve des trous dans le jeu de l'adversaire. Ah, dommage. C'était pas mal ça, on a le sentiment que si ça restait dans les limites, ça mettait, ou c'était point, ou ça mettait Tatranova en très grande difficulté. Et voilà, la France est devant, peut-être, je crois qu'elle a été seulement devant à 1-0 dans cette manche. Ah, petite faute. 16-14. La raison pour laquelle on n'a pas réussi à creuser un écart quand on avait de l'avance, c'est aussi parce que l'adversaire s'est montré solide quand elle était menée. À nous de faire la même chose. Ah, parfait. C'était pas le coup le plus facile. Hein. Là, on a bien résisté. Une bonne main pour trouver ce coup. Parfait. Ah, ces attaques là depuis le milieu de terrain là, elles sont souvent précises. Hein. 16 partout. Ah. Saxon appelle les soft points. Petite faute comme ça. Bête. Aïe, c'est compliqué ce qu'elle essaie de faire là. Elle prend le ballon très bas. C'est... Allez. Aïe! Tour qui prend la bande. C'est embêtant là, on a une petite faute de Tatranova, mais après on en fait deux derrière. Ouais, bien joué. Par deux fois là, ce push croisé qui a. Il est en difficulté l'adversaire.
Bon, 18 partout. On n'a pas eu un score un peu identique déjà dans le. Je sais pas si on était à 17 partout, 18 partout aussi dans la première manche. Bien bloqué. Un peu de court. C'est court là aussi là. Ah, et c'est mal jugé. Les symptômes. Laisser tomber des volants dedans et dégager un peu court, c'est un peu le symptôme de nervosité. Allez. Touché. Ah, petite faute. Oui. Dos au mur, mais tout à fait possible. Il y avait une bonne vitesse dans ce coup de la française, mais ça reste dans le filet. Allez. 20. Ah, dommage. Ah, on avait fait tout juste dans ce rallye. Et finalement, c'est sur ce coup, ces coups faussement faciles, d'autant plus difficiles quand c'est pour sauver un ballon de match. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Avec deux sets très serrés, on aurait pu espérer que la poire soit coupée en deux, mais non. Ça tombe deux fois chez Tatranova. Quelques regrets à avoir quand même sur cette fin de deuxième set. Là, on était un petit peu devant, non? Je vais aller guigner le live score. Qu'est-ce que ça disait? Ok. Ah, ça a déjà disparu du live score. On est juste au mauvais moment, c'est-à-dire que j'ai. Le détail statistique du match n'est pas encore apparu dans le listing des matchs et ça a disparu du live score. Enfin, quand il y a eu cette petite faute en retour de service, là, c'était pour donner quoi, 18-17, non? Ou quelque chose du genre. Donc ça. C'était plutôt bien. On était en ballottage favorable à ce moment-là. Bon, par contre, les choses, il y a quand même globalement une bonne qualité de jeu qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce stade. Podium quand même dans ce tournoi. Après, c'était un petit peu la finale européenne, là, cette demi-finale, parce que l'autre demi-finale dames, c'était une joueuse de Taïwan et une joueuse du Vietnam. Et c'est la Taïwanaise qui s'est imposée.
Alors la bonne nouvelle, on dira, pour Tatranova, c'est que la joueuse de Taïwan a dû ferrailler 3 sets pendant près d'une heure pour s'imposer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est vraisemblablement assez largement sous-classée. Je crois qu'elle a dû faire les qualifications pour... Et puis elle se retrouve en finale en ayant laissé 10 points à tous ses adversaires, sauf lors de cette demi-finale. Donc, c'est vraisemblablement un challenge difficile à relever. Est-ce que le match là est arrivé, les statistiques maintenant? Hop, refresh. Ah oui, voilà. Donc on a mené... Ouais, non, il y a eu... Le mieux, c'était 17-16. Et 13-10, 14-13. Après, Tatranova a passé 2 points devant et après, on a mené 17-16. 18-18. 21-19 au final. Ouais, dans la première manche. Ah ouais, dans la première manche, ouais, c'est serré, mais on se détache quand même. Le seul écart, il se fait à 17-14. C'est dommage aussi là de... On perd 4 points de suite pour finir être mené 18-17 quand on mène 17-14. Ouais, il faut croire que le petit je ne sais quoi qui a fait gagner ces situations en quart de finale n'était pas là aujourd'hui. Dommage, dommage, mais bonne semaine. Messieurs, on voit maintenant Muros Borat qui s'échauffe avec son partenaire. Donc c'est bel et bien à Simon Chlepecki, mais c'est S-Z-Y-M-O-N, donc je suis pas très tout à fait sûr de comment ça se prononce. J'ai pas vu, mais Chlepecki a joué le premier match. Il a eu un match, il jouait en double mixte. Et il a perdu en 2 manches très serrées contre une paire française. Justement le match de Tatranova. Du coup, je me demande, j'avais pas dit que Tatranova avait perdu. Non, non, elle avait gagné en fait. 21-19, 21-19. Donc, 2 finales pour la française. Dans les tableaux, il n'y avait pas de gens concernés. Enfin, beaucoup de gens concernés, mais pas de gens qui nous concernaient directement, on va dire. Il va y avoir... Oh, il y a le deuxième simple, messieurs. Ah, voilà. Un joueur italien, Christopher Vittoriani, qui va défier au final. Il a aussi eu une finale Taïwan-Vietnam, une demi-finale de Taïwan-Vietnam chez les simples messieurs, où c'est aussi le Taïwanais qui s'est imposé. Il y a aussi une paire de joueuses taïwanaises, double dames, qui sont encore engagées. Et... Les deux Taïwanais que voici face à Borat et Chlepecki. On va un petit peu le tableau. Donc effectivement, le tableau était un petit peu particulier pour Muros et son partenaire, vu qu'au premier tour ils ont joué des vétérans locaux. Et qu'en quart de finale, ils ont eu un walkover.
Donc finalement, ils n'ont joué qu'un match, qu'un match compétitif, mais qu'ils ont gagné en 2-7. Les Taïwanais, quant à eux, ils sont qualifiés. Puis on gagnait facilement contre une paire norvégienne. Et après un premier set serré, facilement contre une autre paire de joueurs de Taïwan. Le point d'interrogation, ça va être ça un peu. Ça va être quel est. Parce que vu que Borat, lui, a joué à très haut niveau, à plusieurs catégories de tournois au-dessus de celui-ci, vraisemblablement, même s'ils sont sous-classés, le niveau de la paire taïwanaise ne devrait pas être hors de sa portée. Et surtout, il est familier de ce genre de position. Donc la question, c'est est-ce que Slepeki, lui, va être impressionné ou pas et, dans ce match. Oups. Est là, je sais pas qui d'ailleurs. Ah oui, c'est un joueur qui a 19 ans. Ah, c'est assez. Assez classique là. De faire des paires où on a un joueur expérimenté mais avec un joueur qui monte. On n'a pas. Pas véritablement ce luxe en Suisse, on dira. J'essaie de réfléchir, mais. Non, alors. On aurait pu imaginer, par exemple, que. Que Oliver Schaller ou Céline Burkhardt continuent à jouer à l'international avec un partenaire plus jeune, mais en fait, les deux ont joué ensemble puis arrêté ensemble, donc ça n'a pas pu se faire. De l'ail. Ah, dommage. Bien laissé. C'était bien fait quand même de Schlepecki. Il a le sentiment que Mioche était prêt pour ce coup, mais que. Ça a quand même été juste un poil trop vite, du coup il passe à côté du ballon. Ouais.
bien appuyé là, ce drive. Slepecki est très très vif, mais des fois il a le sentiment qu'il confond vitesse et précipitation. Service over. Bien joué là. Ah. Fin ton retour de l'ail, mais ça sort. Ah. 13-7. C'est fâcheux que le joueur expérimenté fasse les fautes au service. Pas réussi à se dépêtrer de l'attaque des Taïwanais. Ça avait l'air largement out, mais pour finir, c'était très proche de la ligne. Oh là, on... pas encore véritablement en contention, mais en tout cas un score qui est plus honorable. Oh wow. Ah, là, mal touché de Slepecki là, mais bien sauvé de l'ail. Trouver la longueur qu'il espérait là, Milos. On essaie de prononcer son nom juste, mais on se trompe quand même parfois. Et Miwosh. Oup. Zip. Puni. Après, la chose quand même positive, c'est que c'est pas comme si c'était impossible de marquer des points quand même. Hein. Quand il. Quand ils font des erreurs, les Taïwanais, ils peuvent quand même être punis, donc c'est pas comme si. Ils ramenaient tous les volants dans toutes les situations. Donc il n'y a pas de. Raison de complètement désespéré.
Voilà, là, typiquement, on a ces duels à plat là. 11, 18. On met Osh sur gagnant. Vraisemblablement, ça sera compliqué de gratter cette première manche, mais. Mais là, sur cette deuxième moitié de premier set, c'est serré. Après, c'est toujours la même question. C'est les... Comme il y avait vraiment beaucoup d'avance, c'est possible aussi qu'il y ait un léger lâchement de l'adversaire. Puis qu'ils seront capables de serrer la vis si d'aventure ça... la paire polonaise revenait à 5 points. Oh, c'est dedans. Ah, c'était fait un peu de façon nonchalante comme ça, il a du revers de la main comme pour chasser une mouche, mais il s'avère que c'était un coup excellent. Ah, mais malheureusement. Oula, j'ai cru qu'il était blessé là, c'est Pecky, parce qu'il a été complètement pris à contre-pied là par l'amorti. Du coup, il a shooté un peu bizarrement. C'est un petit peu fait mal, mais peut-être simplement fait un peu peur. La difficulté là dans cette deuxième manche, ça c'est de réussir à croire que c'est possible. Parce que si on croit pas que c'est possible, ça rend les choses quand même extrêmement compliquées. Parce que là finalement, il y a eu un passage où la paire taïwanaise a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de suite pour les amener à 12-5. Mais avant ça et après ça, c'est resté serré. Donc à partir du moment où on réussit à ne pas avoir un tel trou d'air, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas compétitif sur l'entièreté de la manche. Et que du coup ça soit... Ça rentre dans le domaine du possible. Contre, alors parce que ça c'est clairement si le set débute mal, ça risque d'aller très vite. Un peu chanceux que ce contre sorte. Oh, un peu chanceux là aussi, mais c'est la réussite aussi. L'attention était correcte, et c'était finalement le coup que voulait faire, même s'il n'y avait pas eu le cadre. Oups. Alors ça c'est quand même assez rare. Faute du receveur, c'est... J'essaie de me souvenir quand c'est la dernière fois que j'ai vu ça signaler.
out. Service over. Save. Life. Wait for the land call. Don't select. Okay. Thank you. 3, 2. C'est marrant parce que moi j'avais le sentiment que c'était largement dedans. Donc, comme quoi. Il est retourné. Service over. Oh, on a le sentiment que le Taïwanais retourne sur la bande du filet. Donc, comment est-ce possible de faire ça sans partir avant? On ne le saura jamais. Sortez peut-être. Des croisés qui payent. Ah, ça c'est fâcheux. Ça c'est fâcheux, c'est le genre de faute qu'on peut pas vraiment se permettre face à une telle opposition. Il y avait déjà eu une un peu du même genre. C'était Miwosh qui espérait que son partenaire parte derrière lui et qu'il n'ait pas fait. C'est un peu sans surprise avec des paires qui n'ont pas beaucoup joué ensemble. Après, je ne sais pas du tout s'ils ont l'habitude de jouer ensemble en interclub en Pologne par exemple. Défendu sur ce rallye. Comment s'il y a eu quand même au départ une situation d'attaque très favorable qui n'a pas été convertie. Et après une bonne qualité dans les défenses. Ils finissent par pousser les Taïwanais à la faute. Oups! On a l'impression que Borat s'attendait à ce que son partenaire gaucher s'occupe de ce volant. Elle n'a pas fait d'y aller. Il n'y a pas eu d'ambiguïté à ce niveau-là, mais. Une autre petite faute là, depuis ses positions avancées. Ouais, il faut vraiment essayer de limiter ses fautes quand on joue au-dessus du filet. C'est déjà assez compliqué quand on joue en dessous. Bien joué là, il y a eu un bloc. Un bloc qui a mis le joueur au filet en difficulté. Dommage que ce rallye ne se complique pas une faute. Impressionnant ce rallye. Il y a beaucoup de vitesse, on a le sentiment qu'il a manqué peut-être d'un. De vista à un moment ou à un autre pour trouver. Après, c'est très difficile, fatalement, la vitesse où était cet échange. C'est dur d'avoir le coup d'œil, le sens du jeu pour, à ce rythme, trouver les espaces.
Et malheureusement, effectivement, il y a eu. Il y avait 3-3 et maintenant il y a 11-5. Ça semble, cette histoire semble assez compromise. Elle s'est dirigée vers. Dirigée vers une issue. Similaire à la première manche. Mais bon, il force, il y a quand même des points marqués, il y a quand même des on force l'adversaire à faire des choses difficiles, donc c'est, il y a de la matière quand même. Bizarre que. C'est véritablement impossible de trouver la raquette, peut-être arriver à une zone proche du corps un peu bizarre, mais. Mais j'entends de nouveau. Oh, bien fait! Ah, bien sûr. Oh, il sauve encore là! Ouh là là, oui! Ah, c'est embêtant, là on n'arrive pas à convertir des positions d'attaque très favorables. Bonne vivacité au filet de Tsai. Oh. Pas faire grand chose contre ça. Ah oui, ah oui, non, ça arrête dedans. C'était bien fait là, c'était bien suivi ce bloc par Slepeki. On essaie de prendre vitesse de vitesse Tsai, mais alors ça a marché, mais ça a marché pour vraiment pas grand chose. Ah oui, bien fait ça. Beaucoup d'autorité là dans cette conclusion. C'est très vraisemblablement un cas de trop peu trop tard, mais. On a bien résisté en défense. Ah! Service over! Oui. Slepeki a feinté son partenaire plutôt que les adversaires là. Après, comme toujours là, on se rend pas bien compte de la spatialité des choses, donc un sentiment qu'il pouvait intercepter le volant, mais peut-être en fait pas du tout.
call too high. Service over. 10, 17. C'est dommage, c'était un très bon retour là. Il faudrait faire ses retours aussi sur les services Lego, ça serait parfait. C'est le danger là, c'est si on met de la vitesse sur ces zones extérieures, mais que l'adversaire arrive à prendre quand même le ballon haut, alors ça ouvre des angles qui mettent en grande difficulté le joueur arrière. Une faute avec ce fixeur qui pourtant avait plutôt bien marché jusque là, mais... Oui. Ah, c'est un peu... un petit peu décevant parce qu'on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est possible de... Alors ça aurait été dur de gagner dans toutes les circonstances, mais... Ça semblait possible de pousser la paire taïwanaise un peu plus loin... Peut-être pas jusque dans ces retranchements, mais là on a l'impression quand même qu'ils n'ont pas eu trop bien de forcer pour l'emporter. Qu'on a été peut-être un tout petit peu trop généreux en petite faute pour permettre d'avoir une chance que ça reste compétitif. Bon, alors voilà, c'est la fin des engagements des joueurs de Lausanne dans ce tournoi. Je sais pas exactement ce que c'est les prochains tournois en vue, mais that's it pour l'international de Lettonie. Et donc, à bientôt.